Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision nationale. Dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle du 6 mai prochain, le Conseil constitutionnel a organisé du 8 au 12 avril 2024 une session de formation des magistrats délégués sur les textes encadrant les élections. Comme à l'ouverture, c'est le président du Conseil constitutionnel, Maître Jean-Bernard Padary, qui a clos les travaux. On fait le point avec Adou Mangana. Adou. La crédibilité des élections exige un contrôle rigoureux avant, pendant et après le déroulement du scrutin. C'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel assure la régularité des grandes consultations politiques. Les magistrats délégués formés seront déployés au moment venu sur l'ensemble du territoire comme observateurs électoraux. C'est ce qui justifie cette session de formation des magistrats délégués. À votre qualité de magistrat, délégué du Conseil constitutionnel, vous serez l'œil par lequel cette institution scrutera le déroulement des opérations de vote. Votre rôle sera donc essentiel pour lui permettre de gérer efficacement le contentieux de l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Le Conseil constitutionnel contrôle la conformité de la loi à la constitutionnalité et aux droits et libertés qui en découlent. Il réalise en quelque sorte un contrôle portant exclusivement sur la constitutionnalité interne et du traité ou l'accord. Toujours prélude à la campagne présidentielle, la HAMA, autorité des médias audiovisuels, recadre les professionnels des médias. Ce matin, à la Maison des médias du Tchad, le président de cette institution, Abdraman Barka Ndoniga, a fait une déclaration. L'accent est mis sur le respect de l'éthique et de la déontologie et surtout la sécurité des journalistes. Suivez le président de la HAMA dans un extrait sélectionné et proposé par Varelaj. Durant 21 jours, les organes de presse et les professionnels des médias seront sollicités pour couvrir, relayer les différentes déclarations et manifestations politiques, accompagner les candidats ou leurs représentants à la rencontre des populations, tout en vous rassurant que l'autorité de régulation vous y accompagnera avec tous les moyens à sa disposition. Je voudrais vous engager dans une campagne apaisée où seront valorisés le professionnalisme, la véracité des faits, l'honnêteté, ainsi que le respect des règles professionnelles et des principes éthiques, en vous appuyant, notamment sur la charte des médias et les décisions de la HAMA. À cet effet, je rappelle entre autres que la publicité politique, déguisée ou pas, est interdite. Je réitère ici la demande de la HAMA aux autorités administratives ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter la tâche aux professionnels des médias identifiables à un badge établi à l'effigie de l'autorité de régulation en vue d'un meilleur exercice de leur travail d'informer les populations sur le déroulement de la campagne présidentielle dans l'ensemble du territoire national. Dans le cadre du dossier initié par la rédaction de la télévision nationale sur les candidats en lice pour la présidentielle 2024, ce soir, notre reporter Christelle Ngarlemdana nous fait découvrir le candidat du parti Les Transformateurs, Assiongar Masra Succé. Assiongar Masra Succé est une figure emblématique dans l'arène politique du Tchad. Né le 30 août 1983 à Béboni dans le Logon oriental, il est marié et père d'une fille. Après avoir obtenu son baccalauréat série C au lycée collège Charles Louanga Assar, chef-lieu de la province du Moyen Chari, Assiongar Masra Succé a fait des brillantes études et a obtenu plusieurs diplômes dans les universités de renom, Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, Université catholique de Lille, Sciences Po à Paris, à Harvard aux États-Unis, à l'Université d'Oxford en Angleterre et un doctorat en sciences économiques à l'Université Paris 1 Sorbonne. Après des expériences dans le secteur privé, il rejoint la Banque africaine de développement BAD en tant qu'économiste financier principal. Mais le goût de la politique le rattrape. Il lance le parti Les Transformateurs en avril 2018. Le 1er janvier 2024,
Il est nommé Premier ministre de transition. Grand, athlétique et excellent orateur, Assiouanga Massra Succès mobilise la jeunesse à travers son parti et insiste sur la justice pour tous, la diversité et l'égalité entre les communautés tchadiennes. Aujourd'hui, il est candidat à l'élection présidentielle. Je voudrais laisser aux Tchadiens de comprendre. Regardez mon parcours. Regardez le parcours de notre engagement. Depuis le début, on a toujours dit que c'est impossible. Et vous avez toujours démontré que c'était possible. Il y a 4 mois, je ne pouvais pas rentrer au Tchad. Il y a 1 mois, personne ne pouvait savoir si j'allais être candidat. Il y a 6 ans, personne ne pouvait imaginer que les transformateurs allaient pouvoir naître. Nous avons transformé l'impossible en possible. Aujourd'hui, nous sommes à la veille d'un choix incroyable. Je voudrais vous laisser avec l'espoir. Ne vous laissez pas berner par ceux qui vont vous parler d'impossible. Dans son programme politique, Assiouanga Massra Succès compte relever les défis auxquels le Tchad est confronté. C'est un programme collectif, 5 sur 5 de transformation du Tchad en 5 ans. J'étais les fondations de ce Tchad-là à travers 5 priorités et 5 piliers. En dehors de la politique, Assiouanga Massra Succès est connu pour son dévouement envers sa famille et sa communauté. Il est un homme de principe, respecté pour son intégrité et sa capacité à rassembler les gens autour d'un objectif commun. Pour ses loisirs, l'homme joue au basket, aime la lecture, le karaté et joue de la guitare. Je vous invite à suivre à présent le portrait du candidat du parti RNDT Le Réveil, Paimi Padake Albert. Paimi Padake Albert, président du Rassemblement national des démocrates tchadiens RNDT Le Réveil, est à la conquête du pouvoir suprême. Né le 15 novembre 1966 à Gouin, dans le département du Mayo-Dala, ancienne sous-préfecture de Pala, actuel chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Ouest, Paimi Padake Albert se positionne pour diriger le Tchad. Fils de Padake Duir et de Maïda, cet administrateur aguerri n'est plus à présenter. Deux fois Premier ministre et plusieurs fois ministre de la République, ce fils de Gouin va s'imposer dans l'arène politique, plus précisément au sommet de l'État. Une ascendance que Paimi doit à son mentor docteur Deloa Kassiré Koumakoye Nouradine et de son parti politique le Viva RNDP, dont il a été à l'époque l'une des chevilles ouvrières. C'est dans cette formation politique qu'il aura pour goût de se frayer le chemin politique à travers son parti, RNDT Le Réveil. Je pense avoir, par mon expérience, accumulé suffisamment de données permettant de résorber tous ces problèmes que le pays traverse. Je sollicite ce mandat non pas pour m'éterniser au pouvoir, mais pour exercer un seul mandat et donner l'exemple pour une fois d'une passation pacifique au sommet de l'État. Voilà pourquoi je pose ma candidature pour essayer de remonter le pays, tant sur le plan démocratique, sur le plan économique, sur le plan social. C'est pour ça que je dis que je suis candidat pour ressouder le Tchad, parce que le Tchad est fracturé dans tous ses aspects. Il s'est intéressé très tôt à l'histoire politique du Tchad et celle de l'Afrique, ce qui lui a permis d'écrire un livre reconnu dans la prévention des conflits en Afrique intitulé « L'Afrique empoisonnée, pathologie et thérapie des conflits ». En dehors de la politique, Albert est un homme d'affaires. Il excelle dans plusieurs business, mais beaucoup plus dans le milieu hôtelier, ce qui lui permet d'engranger de l'argent et des moyens de sa politique. Chrétien catholique baptisé confirmé, Paimi Padake Albert fut le tout premier président du Centre catholique universitaire CCU en 1988. Son repas préféré est la sauce gombo avec les feuilles d'haricots appelées communément par la communauté Mundang Neugue et la bouillie du mil rouge préparée à base de digari. Allons maintenant à la rencontre de la seule femme parmi les 10 candidats. Il s'agit de Lydie Biasunda, présidente du Parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale, qui revient pour la 2e fois à la conquête du pouvoir. Son portrait est signé Thomas Ousmane Djali. Elle revient encore pour la conquête du fauteuil qui l'a échappé en 2021. Unique visage féminin pour la présidentielle de 2024, Lydie Biasunda, présidente du PDI, parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale, la voici en grandeur nature. Femme imposante aussi bien dans la forme que dans le fond.
De son air calme et posé, ses 50 années d'existence cachent 14 ans d'expérience politique. Une passion nourrie entre papa et maman leader. Aujourd'hui, la voilà sur leurs pas, à naviguer contre vents et marées dans un monde dominé par les hommes. La politique ancrée dans l'âme. Leader en ce sens que la maman même a été la première députée de l'Ogone occidental sous Hissène Habré. Papa aussi leader parce qu'au niveau politique, s'était engagé depuis 1979 pour un État fédéral du Tchad. Et particulièrement, moi en tant que fille aînée, j'ai été très proche de mon papa. Et donc aujourd'hui je porte son engagement, je porte aussi sa vision. Impactée par un leadership de part et d'autre, Lady Biasemda s'est forgé un profil professionnel polyvalent. 26 ans d'expérience en prenant de nobles actions lui ont permis de mûrir son engagement pour le pays. En dehors de la politique, son combat, Lady Biasemda est une femme à multiples casquettes, passionnée des causes justes. Contraintes sociales et autres stéréotypes mis entre parenthèses, et la voilà, seule femme au milieu des 9 hommes en lice pour la présidentielle. Son aspiration, son rêve d'un Tchad meilleur se repose sur une forme d'État fédéral. Nous avons une diversité culturelle, un patrimoine énorme à exploiter et à mettre au service de la cohésion sociale, du vivre ensemble. Et donc, il nous faut un État fédéral pour que toutes ces potentialités qui existent au Tchad puissent développer notre pays. Et pour y arriver, elle compte sur son mental d'acier. Pour la présidente du PDI, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Son amour pour le Tchad est grand et ses ambitions le sont encore plus. Pour moi, chaque épreuve, chaque difficulté, je capitalise et je recommence. Et donc, lorsqu'on a un regard comme celui-là, on voit la vie autrement. Et notre Tchad uni, diversifié, prospère et stable est vraiment possible. Et Lady Biasemda y croit fermement. Chaque soir, elle rentre chez elle, l'esprit en éveil, le cœur plein de rêves dans l'espoir de les accomplir un bon matin. Et pourquoi pas au soir du 6 mai prochain. Bouclons le portrait des candidats à la présidentielle du 6 mai prochain avec Brice Mbaye-Mongued-Mbaye, président du parti MPTR. Portrait réalisé par Youssouf Aligat. Mbaye-Mongued-Mbaye Brice est l'un des 10 candidats à l'élection présidentielle du 6 mai 2024. Né le 13 novembre 1976 à Mundu, chef-lieu de la province de l'Ogone occidental. Mbaye-Mongued-Mbaye Brice est marié et père de 8 enfants. Il est ici lui-même d'une fratrie de 24 enfants, dont 17 filles et 10 garçons. Titulaire d'un Master D en gestion des systèmes éducatifs obtenu à l'Université Senghor d'Alexandrie en Égypte en 2005 et la maîtrise en lettres de la littérature comparée obtenue à l'Université du Tchad en 2006. Mbaye-Mongued-Mbaye Brice est un enseignant de carrière. Il a servi dans plusieurs établissements scolaires à N'Djamena et dans les provinces, puis chef de division des évaluations et de l'orientation scolaire à la délégation régionale de l'éducation nationale pour la commune de N'Djamena. Il est conseiller communal du 7e arrondissement de la ville de N'Djamena, actuellement membre du Conseil national de transition et président du groupe parlementaire tchadien pour la République. MPTR, dont il en est le président fondateur, et c'est depuis la création de cette formation politique le 28 février 2008. Cependant, le mouvement des patriotes tchadiens pour la République et quelques coalitions des partis politiques d'obédience fédérale ont créé un bloc fédéral autour duquel ont bâti la campagne au référendum constitutionnel du 17 décembre 2023 contre un État unitaire fortement décentralisé. En se portant candidat à la magistrature suprême, Mbaye-Mongued-Mbaye Brice veut proposer un projet de société basé sur le développement local. Nous pensons que notre pays, compte tenu de l'immensité du territoire, a besoin de se fédérer pour mieux être administré. Aujourd'hui, vous avez certaines parties du territoire du Tchad ne connaissent même pas l'État. Si on arrive à instaurer un pouvoir de type fédéral, effectivement, les collectifs, les entités auront à s'organiser, à mieux administrer les provinces, à mieux administrer les États fédérés. Et à ce moment-là, il y aura une bonne coordination et cela apportera donc un développement dans le pays. C'est pour la troisième fois consécutive que Mbaye-Mongued-Mbaye Brice se présente à l'élection présidentielle de 2016, 2021 et 2024 pour le compte de son parti Mouvement des Patriotes Tchadiens pour la République MPTR.
Nous changeons de sujet maintenant. L'organisation de la société civile La Nouvelle Perspective organise depuis ce matin à la Bibliothèque nationale un atelier de formation des observateurs électoraux. Plus de 200 observateurs bénéficient de cette formation. On fait le point avec Alhaj Mohamed Souleymane. L'organisation internationale non gouvernementale La Nouvelle Perspective forme les observateurs électoraux. Ils sont plus de 200 observateurs à être formés dans différents modules. Il s'agit entre autres du guide d'observation et du code électoral. J'attire votre attention pour que vous puissiez être vraiment actif, pour que vous puissiez apprendre beaucoup de choses afin d'être sur le terrain. De son côté, le président exécutif de cette organisation internationale non gouvernementale a souligné que cette session de formation vient à point nommé. L'organisation internationale La Nouvelle Perspective formera 500 observateurs sur l'ensemble du territoire national. Réunion de la coordination interministérielle du programme de désengagement des associations, réintégration et réconciliation des DRR. Ce matin, au ministère des Affaires étrangères, objectif présenté aux membres de la coordination du programme DDRR, la mise en œuvre des activités de ce programme. C'est le ministre d'État, garde des Sceaux, Abdrahim Brahimi Hamid, qui a présidé la cérémonie. Madiam Tadjiraï. Assurer la stabilité, garantir la sécurité de la population était au centre de la réunion des membres de la coordination du programme désengagement des associations, réintégration et réconciliation DDRR en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations. Ce programme vient appuyer le gouvernement à développer des stratégies et politiques efficaces pour la réinsertion d'anciens affiliés, repentis ou personnes associées à la secte Boko Haram. Il est essentiel de reconstruire les liens sociaux qui ont été brisés et de permettre aux individus de se réintégrer pleinement dans la société. Le ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains, affirme que le gouvernement est toujours aux côtés de sa population. Notre comité de pilotage a évolué seul. Il a travaillé seul sans nos orientations comme l'exigent nos textes. C'est une des raisons pour laquelle cette réunion a un caractère symbolique et marquera la redynamisation de la coordination des programmes DDR. Au cours de cette réunion, des décisions, des recommandations seront prises pour permettre aux ministères impliqués dans le programme DDRR de jouer leur rôle pour sa mise en œuvre effective. Après une tournée dans 20 provinces du pays pour superviser les chantiers de construction des routes et autres édifices publics, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Aziz Mohamed Salé, était face aux journalistes ce vendredi. Pour cette conférence de presse bilan de la tournée, le ministre avait à ses côtés plusieurs personnalités. Voici le compte-rendu avec Adoum Abdelkader. Un panel de 6 personnalités aux côtés du ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Aziz Mohamed Salé, et une dizaine de questions pour établir le bilan de la tournée de suivi et évaluation dans 20 provinces du pays. Face aux journalistes, le ministre des Infrastructures a présenté un tableau élogieux des chantiers lancés tant en N'Djamena que dans le reste du Tchad. Un tableau, mieux, c'est un inventaire des projets faisant du Tchad un chantier à ciel ouvert. Par catégorie, ce sont des chantiers de relance, les nouveaux projets en cours de réalisation et les grands projets. Un préambule qui n'a pas suffi à assouvir la soif des journalistes qui ont voulu avoir plus de précisions sur l'effectivité de la réalisation de ces projets et les difficultés inhérentes. Le ministre répond. Nous avons une exception tchadienne parce que nous n'avons pas assez de projets étudiés. Ce qui fait que nous sommes un des rares pays qui finançons à plus de 90% nos projets infrastructurels sur le budget de l'État. Outre ces deux points soulevés, il y a également la question de la qualité des ouvrages et du non-respect du délai d'exécution. À ces sujets, le ministre est intransigeant. La responsabilité aujourd'hui à ces autres contrôles qui vont assumer la responsabilité sur des dégradations constatées non relevées à temps.
Pour ce qui est des grands projets, notamment le corridor Douala-N'Djamena, la route transsaharienne et autres ponts entre Yagoua et Bangor, le ministre souligne leur importance pour le Tchad et pour l'intégration sous-régionale, en plus des travaux connexes qu'il renferme. À cette occasion, le ministre Aziz Mohamed Sali a tenu à présenter ses gratitudes aux partenaires pour leur soutien, notamment la BDEAC, la Banque africaine de développement et la Banque islamique. Dans leurs interventions, la conseillère chargée de suivi et évaluation des projets et programmes à la présidence de la République, les conseillers aux infrastructures du président de la République et du premier ministre se sont relayés pour demander aux Tchadiens d'observer une certaine patience pour permettre au gouvernement de leur offrir des infrastructures durables et de qualité. Le Tchad vient de se doter d'une politique foncière nationale. La remise du document a eu lieu ce matin et c'est le ministre de l'Aménagement du territoire, Mahamat Asselek Halata, qui a procédé à la réception. On fait le point avec Ngeyam Bengeri. Soucieux du bien-être de sa population, le gouvernement, sous la houlette du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, s'est engagé depuis quelques années à améliorer la gouvernance foncière du pays à travers la rédaction d'une nouvelle législation. Cependant, avant la finalisation de ce processus qui est déjà avancé, les plus hautes autorités de la République ont jugé nécessaire de se doter d'une politique foncière nationale qui définira une vision claire et les aspirations liées au secteur foncier. Toutes les activités prévues dans le cadre de ce projet ont été réalisées dans les délais requis à la satisfaction le succès partagé dans l'élaboration de cette politique. La question du foncier, selon le président du comité multi-acteurs, Idriss Bachar Kari, est une source de vie et de richesse dont sa gouvernance a un impact positif sur le développement du pays. Cette tâche délicate, mais d'une importance capitale, a été confiée au comité multi-acteurs composé de différentes institutions de l'État, mais aussi des membres de la société civile, des chefs traditionnels, des agriculteurs, des éleveurs, les femmes, les jeunes, etc. Le ministre de l'Aménagement du territoire exprime toute sa gratitude à ceux ou celles qui ont contribué à la réalisation de ce document. Le comité de coordination interagence pour la vaccination CCIA a tenu ce matin sa toute première réunion axée sur la présentation du plan de la couverture vaccinale. C'est le conseiller technique en charge de la santé à la présidence, professeur Choua Ouchimi, qui a présidé la rencontre. Mayala Gisèle. Le comité de coordination interagence pour la vaccination CCIA met sur table son plan de couverture vaccinale. Un plan qui comprend plusieurs stratégies de mise en œuvre, le plan de rattrapage, les approches stratégiques ainsi que le plan d'action opérationnel de la direction de vaccination 2024. Occasion pour le conseiller en charge de la santé à la présidence de la République, professeur Choua Ouchimi, de préciser que les défis restent encore énormes. La réunion de ce matin participe de ces efforts et nous allons donc apprécier les démarches entamées pour l'introduction du nouveau vaccin contre le paludisme qui est un des problèmes majeurs de santé publique dans notre pays. Professeur Choua Ouchimi exhorte donc les participants à être actifs au débat pour apporter leur modeste contribution afin d'enrichir les documents soumis à leur appréciation. Faisons un tour dans nos provinces où une mission du ministère de la Production et de la Transformation agricole se trouve à Bol, dans le chef-lieu de la province du Lac. La mission conduite par le ministre Kedah Bala évalue la campagne agricole 2023-2024. Reportage Harmonie Bialo. L'agriculture est un facteur essentiel de la croissance économique d'un pays tel que le Tchad, qui dispose de terres exploitables abondantes et riches. Cependant, fort de ce potentiel, l'agriculture tchadienne fait face à de nombreux défis, parmi lesquels la faible disponibilité des moyens de production agricole, les variations climatiques et la faible expertise des producteurs. Ces journées bilan qui précèdent le lancement de la nouvelle campagne agricole permettra de dégager les forces et faiblesses qui ont émaillé la campagne agricole 2023-2024 et proposer des solutions pour rendre le secteur plus performant. La campagne agricole 2023-2024 a été déficitaire. C'est pourquoi
sur la base de l'outil cadre harmonisé d'identification et d'analyse des zones à risque et des populations vulnérables et partant de ces analyses, un plan national de réponse a été élaboré. C'est ce qui a amené le gouvernement à déclarer l'état d'urgence alimentaire et nutritionnelle sur l'ensemble du territoire national afin de venir en aide aux populations identifiées en phase de crise et celles en phase d'urgence. Au cours de ces assises, les acteurs du monde agricole passeront au pain fin différents rapports, faits et chiffres essentiels afin d'anticiper sur certains facteurs susceptibles d'empêcher l'atteinte des objectifs fixés pour la campagne agricole 2024-2025. Sous le patronage du gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est, Abdelkerim Seyd Bosch, un mini-forum est organisé à Bangor. Au menu, la restitution de la déclaration de N'Djamena relative à la lutte contre le ver de Guinée au Tchad. On fait le point avec Sylviane Remadi Madingar. C'est suite à la signature de la déclaration de N'Djamena le 23 février dernier par les gouverneurs des provinces endémiques de la maladie du ver de Guinée que ce mini-forum est organisé. De cette déclaration, les différents gouverneurs ont pris fermement un engagement de s'impliquer chacun dans sa circonscription à travers des activités d'éradication de cette maladie au Tchad. Dr Youssouf Hagar est le coordonnateur du programme national d'éradication du ver de Guinée. Il remercie le gouverneur pour cette initiative qui permettra au Tchad d'éradiquer cette maladie avant 2030. Le représentant du centre Carter, Al-Hassana, déplore quant à lui le fait que les bénéficiaires considèrent cette maladie comme une source de revenus à but lucratif, alors que la maladie du ver de Guinée représente un danger public, nous dit le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est. Ce mini-forum a vu la participation des autorités administratives et traditionnelles des zones endémiques de la maladie du ver de Guinée, ainsi que de toutes les autres parties prenantes. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, a présidé ce matin à Moundou une cérémonie de sensibilisation et de formation sur la notion de transparence du secteur extractif et de ses recevabilités en faveur de la promotion au Tchad. On fait le point avec Caroline Noudilar. Une cinquantaine de participants des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales nationales prennent part à cette formation qui a pour objectif d'outiller les bénéficiaires sur la notion de transparence du secteur extractif et les initiatives en faveur de sa promotion au Tchad. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, a salué cette initiative de l'Observatoire tchadien des finances publiques appuyé par la Banque mondiale. Loin d'être un événement ordinaire, ce type d'activité est une preuve de notre engagement et de ceux des plus hautes autorités du Tchad d'œuvrer pour une plus grande transparence dans la gestion du secteur extractif au Tchad et en particulier le secteur minier et pétrolier. Selon le représentant de l'Observatoire tchadien des finances publiques, Eric Nadibé Nalna, les parties prenantes doivent être informées des questions extractives et minières afin de contribuer à la bonne gestion des finances publiques. Restons toujours à Moundou, où le mouvement citoyen Génération Patriote a offert 400 tables bancs à l'université de Moundou. La cérémonie est présidée par le gouverneur de la province du Logone occidental, Ibrahim Ibn Oumar Mahamat Saleh. Noudjoudou Gelbe. La remise de ces tables bancs est une réponse à l'appel de l'Université de Moundou à travers le comité de mobilisation des ressources auprès des partenaires publics et privés pour pallier l'insuffisance des tables bancs à l'université. Très attentif à ce cri lancé en février dernier, le mouvement citoyen Génération Patriote a mis à ce jour 400 tables bancs à la disposition de l'Université de Moundou. Nous avons vu que nos jeunes étudiants vivent des difficultés dans le cadre d'études. C'est pour ça que nous avons voulu répondre et très vite pour aider à ce que les étudiantes et les étudiants trouvent ne serait-ce qu'un confort pour étudier.
Le geste posé par le mouvement citoyen Génération Patriote a été hautement salué par les étudiants par l'entremise de leurs camarades, le secrétaire général de l'UNET, Union nationale des étudiants tchadiens de l'Université de Moundou, Koubnaï Moïse. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Ibrahim Ibni Oumar Mamad Saleh, appelle les étudiants au sens de responsabilité. Juste à côté, le commandant de la Légion numéro 15 du Logone oriental est installé dans ses nouvelles fonctions ce matin. C'était à la faveur d'une cérémonie présidée par le directeur général, deuxième adjoint de la gendarmerie nationale. On fait le point avec Nodiade Azer. À la faveur du décret numéro 0467 portant nomination au ministère de la Défense, certaines légions de province ont vu placer à leur tête de nouveaux responsables. C'est le cas de la Légion numéro 15 de Doba qui a pour nouveau chef le général de brigade Fouda Khamis Raj en remplacement du colonel Adam Idriss Adam. Installant le nouveau commandant de Légion numéro 15 de Doba, le directeur général de la gendarmerie nationale deuxième adjoint, le général de brigade Abdelhamid Haroun Abdoulaye, a ardemment invité le nouveau commandant de Légion numéro 15 de Doba, en la personne du général de brigade Fouda Khamis Raj, à ne ménager aucun effort pour faire face aux défis sécuritaires tant prônés par le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno. Restons toujours à Doba, où la fête de fin de Ramadan a été célébrée par les fidèles musulmans. On fait le reportage est donc signé Djokombe Mbayadouma Mikaël. L'Aïd al-Fitr, la fête marquant la fin du mois de Ramadan, incarne le moment de joie, de gratitude et de partage. À cette occasion, les fidèles musulmans de la ville de Doba sont sortis massivement pour la prière rituelle de la fête de l'Aïd al-Fitr. Un moment marqué par la prière. Les fidèles, sous la conduite du président du Conseil des affaires islamiques du Logone oriental, l'imam Adam Youssouf Issa, ont exécuté deux rakats. Dans son adresse de circonstance, l'imam a axé son message sur la cohabitation pacifique et du vivre ensemble. Il invite les uns et les autres à marcher sur les pas du prophète Mohammed. Après la prière, le président du Conseil des affaires islamiques du Logone oriental, l'imam Adam Youssouf Issa, et sa délégation se sont rendus au gouvernorat, question de présenter leur civilité au gouverneur de la province du Logone oriental, Toké Dadi. Au cours de cette visite, le président provincial du Conseil des affaires islamiques a, au nom de tous les musulmans du Logone oriental, présenté ses vœux les meilleurs au gouverneur. En retour, le gouverneur a donné quelques conseils à tout un chacun pour une paix au Tchad en général et dans le Logone oriental en particulier. 5 jours après sa prise de fonction, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Adou Mustapha Brahimi, a présidé hier jeudi une réunion de prise de contact avec les représentants des différents groupes socio-professionnels de la province. Au centre de cette rencontre, la question de la sécurité et de la paix. Éric Guidi. Dans sa communication, la première autorité de la province de la Tandjilé, Adou Mustapha Brahimi, a salué la présence de l'assistance avant de souligner que cette rencontre est un moment de brassage et d'échange sur la paix et la cohabitation pacifique. Pour lui, le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, fait de la paix son cheval de bataille. Adou Mustapha Brahimi d'ajouter que cette rencontre de prise de contact permettra également de consolider les acquis de la paix et de la cohésion sociale entre toutes les communautés vivant dans la Tandjilé. Avant tout, il faut d'abord privilégier la paix et la sécurité. Sans la sécurité, personne ne peut exercer ses activités. Il faut d'abord qu'il y ait la sécurité. La sécurité est transversale dans tous les domaines. On prit part à ces assises, les autorités administratives civiles, les leaders religieux et traditionnels, les organisations de la société civile, ainsi que les organisations des femmes et des jeunes. Restons toujours à l'AI où les magistrats et délégués du Conseil constitutionnel de la province de la Tandjilé sont en formation pour une meilleure appropriation des outils nécessaires au bon déroulement de l'élection présidentielle en vue. On retrouve Éric Guetti. Oui, je le disais que...
Les délégués du Conseil constitutionnel de la province de la Tandjilé sont en formation pour une meilleure appropriation des outils nécessaires au bon déroulement de l'élection présidentielle en vue. On retrouve Eric Guidi. Les musulmans de Bidjin venus de différents quartiers ont pris d'assaut la place de la Grande Mosquée pour la prière commune de la fête. Cette prière a été dirigée par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de Wadi Fira, Cheikh Aliou Mohamed Abdelwahid. Cheikh Aliou Mohamed Abdelwahid a mis l'accent sur la sécurité et la prière pour le pays. Après la prière, les délégués et les chefs de service de concentration de l'État, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, sont venus présenter leur vœu au gouverneur de la province de Wadi Fira, Mohamed Abdelkarim Ali. Cheikh Aliou Mohamed Abdelwahid a demandé aux fidèles musulmans de multiplier les prières, les aumônes et sensibiliser la population sur la cohabitation pacifique. Le gouverneur de la province du Wadi Fira, Mohamed Abdelkarim Ali, a vivement remercié les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques qui prient jour et nuit pour le pays. Il a par la même occasion exhorté les conseils à prier pour que la campagne présidentielle qui se pointe à l'horizon se déroule dans la quiétude. La fête de fin de Ramadan a été célébrée avec faste à la grande mosquée de Biltin. C'était en présence du gouverneur de Wadi Fira, Mohamed Abdelkarim. Récit, Magina Fidèle. C'est au milieu des takbir et des louanges et dans une ambiance de joie et de bonheur que s'est déroulé dans la cour extérieure de la grande mosquée de la ville d'Ati le rituel de la prière de l'Aïd al-Fitr avec une grande participation populaire et officielle. Après l'arrivée du gouverneur de la province de Bata, le général Ahmed Goukouni Morali, suivi de l'imam, la prière a commencé. Le gouverneur de la province de Bata, Ahmed Goukouni Morali, a reçu à sa résidence les vœux des corps constitués, en commençant par le président et les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques section de Bata. Les proches collaborateurs du gouverneur, conduits par le secrétaire général de la province de Bata, Brahim Sanoussi Imam, ont également présenté leurs vœux de bonheur et de prospérité au gouverneur et à travers lui aux plus hautes autorités du pays. Pour le président du Conseil supérieur des affaires islamiques section du Bata, Cheikh Ahmed Khalid Manoufi, le Conseil, en tant qu'autorité religieuse, estime que le développement ne peut se réaliser que dans un climat de sécurité, de paix et de coexistence pacifique. Les hommes de Dieu doivent donc sensibiliser les fidèles pour que ces élections se passent dans un climat de sérénité et de tranquillité. L'Aïd al-Fitr, toujours les fidèles musulmans de la ville de Faya se sont rendus tôt le matin à la place publique pour accomplir leurs devoirs religieux. Mboulsou, Guyandé et Zarak. La place blanche de Faya-Larjo a servi de cadre à la grande prière de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak, prière dirigée par l'imam de la grande mosquée, Cheikh Adam Mahamat Moustapha. Ainsi, dans son serment, l'imam de la grande mosquée a appelé les fidèles à suivre les prescriptions religieuses telles que définies par le Saint-Coran. Il a par ailleurs exhorté les fidèles à veiller sur l'éducation des bases de leurs enfants avant de s'apesantir sur les pratiques peu orthodoxes sur les réseaux sociaux et leur impact dans la société. Après la prière, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques section du Borku se sont rendus à la résidence du gouverneur. À l'occasion, Hamid Ali Abderman, membre du dit conseil, a présenté les vœux de paix, de bonheur et de sécurité pour le Tchad au secrétaire général de la province du Borku, Kore Koché Chidi, et à travers lui aux hautes autorités du pays. En retour, le secrétaire général de la province du Borku, Kore Koché Chidi, a demandé aux fidèles de prier davantage pour l'unité nationale et la paix au Tchad. Le secrétaire général du ministère des Affaires culturelles et patrimoine historique, Abdoulaye Souleymane Ousmane Babalé, a lancé ce matin au Musée national un projet pilote d'inventaire du patrimoine culturel immatériel dans 6 provinces du pays. La cérémonie est présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires culturelles et patrimoine historique, Mairo Casimir. Reportage. La préservation du patrimoine culturel et immatériel revêt d'une importance capitale pour maintenir l'identité culturelle d'une nation et renforcer le tissu social.
Ces projets pilotes témoignent de l'engagement des plus hautes autorités à protéger et à valoriser le patrimoine culturel dans un contexte où celui-ci est menacé. Compte tenu de l'importance qui est rêvée cet atelier dans le but de la sauvegarde de notre cher PCU aujourd'hui, je vous exhorte à suivre attentivement et à prendre bonne note des orientations qui vous seront données par les spécialistes pour l'atteinte des objectifs. Ces projets pilotes concernent les 6 provinces, à savoir le Guéra, la ville de N'Djamena, le Chari-Bagrimi, le Mayo-Kébi-Ouest, le Logone-Oriental et le Moyen-Chari. Le bureau de soutien au MPS se prépare activement pour la campagne électorale. Il a lancé officiellement ses activités cet après-midi, nous dit Ngeyam Benguéry. Déterminé plus que jamais à apporter un soutien indéfectible au candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby Itno, le bureau de soutien au MPS La Nouvelle Génération lance officiellement ses activités. C'est un homme de paix qui a consacré toute sa vie à la défense et à la souveraineté de notre patrie. Il lui assurera une stabilité gage d'un développement économique et social de notre pays. Mahamat Idriss Déby Itno, c'est le meilleur candidat pour un Tchad nouveau. Voilà pourquoi nous nous engageons à battre campagne pour notre candidat. L'un des bureaux de soutien les plus actifs, La Nouvelle Génération, par la voix de son président d'honneur, Mahmoud Abakar Abdraman, entend mettre tout en œuvre pour mobiliser ses camarades afin de porter haut le flambeau de leur parti à l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Deux bureaux de soutien au mouvement patriotique du Salut Djamous et Avenir Solidaire en mode synergie d'action au cours d'une rencontre, ils ont exprimé leur volonté à travailler ensemble lors de la campagne électorale afin de porter le candidat de la coalition Tchad Uni à la magistrature suprême. On fait le point avec Thomas Ousmane Djali. Le bureau de soutien au mouvement patriotique du Salut Djamous et le bureau Avenir Solidaire s'unissent pour un seul idéal, élire le président de la coalition Tchad Uni le 6 mai prochain à la magistrature suprême. Nous allons travailler ensemble, nous allons nous fixer des objectifs ensemble, nous allons définir des stratégies ensemble pour aller donner la victoire au premier tour au candidat de la coalition, Mahamat Idriss Déby Itno. Union de vision et d'engagement afin d'intensifier les efforts et atteindre les objectifs lors des campagnes électorales. Nous sommes tous dans le même camp et nous allons tous nous battre main dans la main pour la victoire. Diverses interventions au cours desquelles les membres du bureau exécutif Djamous et ceux du bureau Avenir Solidaire ont affirmé leur volonté de renforcer cette coopération lors de la campagne. Le président du parti Mouvement pour l'égalité et le rassemblement des citoyens, merci Amoula Toua Robert Golbey, a tenu une rencontre avec les responsables des 23 cellules du parti hier dans l'après-midi dans le 9e arrondissement. Une réunion pour mettre en place des stratégies à suivre après le lancement officiel de la campagne présidentielle. Mariam Abdelhadi. Le président du parti Mouvement pour l'égalité et le rassemblement des citoyens fait face en ce jour avec les responsables des 23 cellules du parti. Cette rencontre vise à mettre en place des stratégies pour bien mener les campagnes après le lancement officiel du 14 avril afin d'accompagner les candidats de la coalition Mahamat Idriss Déby Itno. Ensemble, nous allons définir les stratégies que nous allons sortir le 14 avril 2024 à la place des nations pour lancer la campagne de notre candidat. Et la réussite de ce lancement de campagne dépend uniquement des enfants, des jeunes, des hommes du 9e arrondissement que je vous vois. Dans l'espoir d'aller galvaniser les sympathisants et les militants aux côtés du candidat de la coalition pour Tchad Uni, que le président du parti Merci confie ses différentes cellules en mission. Je vous donne la teneur de ce communiqué avant de nous séparer. Son Excellence Monsieur Mahamat Saleh Anadif, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Tchadiens de l'étranger, à la tête d'une délégation comprenant le ministre du Plan et le ministre des Affaires humanitaires, a quitté ce vendredi 12 avril 2024 N'Djamena pour Paris, en France. Dans la capitale française, le chef de la diplomatie tchadienne prendra part à la conférence humanitaire internationale
pour le Soudan et ses voisins qui se tiendra le 15 avril 2024. Cette rencontre ministérielle qui est organisée par la France et l'Union européenne vise à collecter des fonds pour soutenir la population civile appelée au respect du droit international humanitaire par toutes les parties et plaider pour une synergie entre les différentes initiatives de paix existantes. Le communiqué est signé du Adam Mahamat. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. We'll be right back.